compte de la chance que t'as, toi, de pouvoir boire n'importe où, dans les flaques, les rivières. Regarde tout ce qu'on doit mettre en place. Toi, t'as ton filtre, il est intégré dans ton petit corps de petit chien-chien. Nous, on doit mettre des cubes, des tuyaux, des filtres, des réservoirs, des pompes. Toi, t'as tout ça là-dedans. Ouais, des fois, je t'envie un petit peu quand même. Donc, tu vois, je vais me mettre au boulot, parce que nous, on doit avoir de l'eau potable pour dans un mois, fin du confinement. Donc, c'est parti. Je voulais tester, mais je trouve pas la clé. T'as tout essayé là? Ouais, j'ai tout essayé. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à demander au gars quand on a acheté le camion. J'ai pas souvenir d'avoir demandé la clé. Moi non plus. Donc on n'a pas la clé. Oh, bon, ça commence bien. Hein, et on fait comment? Bon, on va réfléchir. Ça devrait pas être trop compliqué, mais. Non, je te laisse réfléchir. Bonjour les explorateurs, moi c'est Cédric la technique. Donc je vais venir en aide à Chouchou et Sylvia pendant les travaux du camion. Donc là pour ton problème de remplissage, Chouchou, c'est très simple. Je t'ai commandé une coupelle d'origine, la même. Je t'ai commandé une cycloche diamètre 83. Tu n'auras plus qu'à percer ton mur, décaler le trou parce que pour Sylvia ça sera quand même plus pratique que celui-ci soit plus bas. Et mettre un petit peu de silicone et c'est réglé. Les travaux sont simples, c'est parti, je te fais confiance. Merci Cédric pour ces conseils techniques. Alors, on va faire la petite installation, du coup, c'est parti. Bon, on change la queue parce que je le sens un peu faiblard. Il n'a pas l'air plus en forme celui-là. Bon, je savais que j'avais un accu qui tenait plus, mais là, c'est confirmé. J'ai percé pendant 30 secondes. Allez, on va rechanger la queue. Cédric, c'est de la merde, ta cloche. Je confirme, Chouchou, ce matériel est de piètre qualité. Retour à l'expéditeur. Bon. Essayez de percer depuis l'intérieur. Il y aura un bouchon pour l'eau bleue et un bouchon pour l'eau blanche. Bon, et Chouchou, comment tu comptes faire du coup avec les réservoirs? Ah ben, pareil, il va falloir réfléchir un petit peu parce que on a 2,25 m sous plafond. Donc, vu que je vais les mettre au sol, il faut que je puisse passer. Je vais à 1,85 m. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux marcher dessus? Oui, moi je me vois bien marcher dessus. Ok. Bon, ben, je te laisse réfléchir. Hein. Bon, ouais. Je pense que faut creuser un peu le sujet quand même, parce que c'est pas quelque chose de bien simple. En effet, Chouchou, choisir ses réservoirs n'est pas la chose la plus simple. Donc, il y a trois paramètres pour moi importants qui rentrent en jeu. Le premier, ça va être l'encombrement. Le second, ça va être la charge utile de ton véhicule, et le troisième, ça va être ton autonomie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je choisis quel modèle de réservoir moi là-dedans? Ne t'inquiète pas Chouchou, j'ai passé pas mal de temps sur le net et je t'ai sélectionné un bloc cloisonné constitué de 12 réservoirs de 100 litres. Alors pourquoi 12 réservoirs? Tout simplement parce qu'il y en a 8 qui seront consacrés à l'eau propre et 4 à l'eau grise. Le cloisonnement pour ces réservoirs est très important quand on transporte de l'eau. Cela permet d'éviter les balours qui peuvent être très dangereux lors de tes freinages d'urgence ou dans les virages. T'as bien raison, je pense que je vais partir sur une bonne répartition de la charge dans la caisse parce que déjà conduire la tiny, je pense que ça va pas être quelque chose de bien simple. Donc si en plus je suis embêté par le comportement du camion, ça risque de compliquer les choses. On continue dans les bonnes idées, si t'en as d'autres, je suis preneur. Pourquoi ce choix? Parce que tu m'avais donné trois critères. Le premier critère était l'encombrement.
Ton camion, ta caisse, dispose d'une hauteur de 2,25 m. Tu mesures 1,85 m, sachant que tu veux une implantation horizontale de tes réservoirs. Cela te laisse 40 cm pour implanter tes réservoirs. Donc les réservoirs sélectionnés font 35 cm de hauteur. Donc sur ce point-là, nous sommes parfaits. Cela te laisse 5 cm pour laisser pousser tes cheveux jusqu'à la fin du confinement. Quoi ? Quels cheveux ? Ensuite, tu m'as annoncé disposer d'une longueur de caisse de 4,15 m. Donc il existe plusieurs configurations pour ces blocs cloisonnés. Celle que j'ai sélectionnée mesure 2,25 m. Cela te permettra de disposer de 2 mètres à l'arrière du camion pour fabriquer, implanter tes meubles et stocker ton matériel. Pourquoi je te propose une implantation horizontale et un positionnement à l'avant de ta caisse ? Tout simplement pour répartir au mieux la masse de l'eau dans ton camion et repositionner le centre de gravité le plus possible vers l'avant. Enfin, sur la largeur, tu m'as annoncé disposer de 2,25 m. Donc le bloc cloisonné sélectionné mesure 1,60 m. Cela te laisse donc 65 cm au total que tu peux répartir de manière homogène de chaque côté. Donc tu pourras implanter des coffres d'environ 32-33 cm de chaque côté, soit pour disposer ton matériel de pompage, soit pour faire du rangement. Ensuite, le deuxième critère qui était la charge utile. Donc tu disposes d'une charge utile de 2 tonnes, dont tu vas déjà utiliser une tonne pour toute ta famille plus le matériel que tu souhaites embarquer. Donc cela te laisse une tonne disponible pour l'eau. On se met une petite marge de sécurité de 200 kg, donc on arrive à 800 kg pour l'eau. 800 litres, 8 réservoirs, parfait. Ensuite, troisième critère, l'autonomie. Eh bien, celle-ci va dépendre de ta consommation journalière d'eau. Donc tout ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, parce que je pense que tu as des infos à me communiquer. Allez, bon courage pour l'installation, on se retrouve après. Bah, je vous dis pas les positions à la con qu'il faut prendre pour faire des scènes, pour tourner certaines vidéos. Donc là, je me trouve sur les 8 réservoirs d'eau potable, plus 4 pour l'eau grise. L'eau grise, on en parlera plus tard. Ce qui fait une surface au sol totale de 2,25 m sur 1,60 m. Du coup, moi j'ai tout prolongé jusqu'au mur sur toute la partie avant. Donc en gros, on a à peu près 2,25 m sur 2,25 m de surface rehaussée dans le camion. Bon, pour la planche qui manque, forcément, on est en phase de confinement. C'est un peu difficile d'aller trouver ça dans les magasins de matériaux. Il y a certains magasins de bricolage qui sont ouverts, mais vu le prix des planches, ils vont se les garder. Et j'attendrai la fin du confinement pour acheter une petite planche de contreplaqué pour finir le plancher. J'ai bien installé le tuyau de trop-plein, sur lequel du coup j'ai fait une petite boucle pour remonter juste au niveau du supérieur des réservoirs pour être sûr de bien les remplir. Parce que sinon on aurait perdu une bonne trentaine ou cinquantaine de litres le fait qu'il soit 2-3 cm sous le niveau supérieur. Je n'ai pas relié le petit évent là parce que ça c'est quand on remplit vraiment avec des très gros débits là que l'air doit s'échapper très rapidement. Donc ça j'ai pas fait de liaison. Voilà. Bon, moi j'arrête de pomper, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu viens ? Qu'est-ce que t'as foutu là ? Quoi ? Tu m'as dit de pomper l'eau ? Non mais là t'as pompé l'huile là, c'est pareil. Je pompe rien de toute façon. Ah les femmes. Donc pour la pompe, là aussi j'ai passé pas mal de temps sur le net et je t'ai sélectionné une pompe à diaphragme de type camping car. Celle-ci fonctionne en 220 volts. Elle a une consommation électrique de 130 watts puisque je sais que tu as une installation solaire et qu'il faut limiter au maximum la consommation. Ensuite, son débit est de 11,6 litres par minute à peu près et sa pression max est de 3,4 bars. Bon ok, t'as trouvé la pompe, mais souviens-toi dans le Mac Louis, à force de solliciter la pompe, elle était tombée en panne. Mmh. Donc du coup, tu comptes faire quoi pour pallier à ça ? Ouais, j'ai ma petite idée. Je pense qu'on va mettre un petit élément supplémentaire pour que je creuse un peu plus, mais j'ai mon idée. Mais en attendant, ça m'empêche pas de la monter. En effet, chouchou, Sylvie a raison. Pour augmenter la durée de vie de ta pompe, tu peux intercaler un réservoir à vessie ou un surpresseur. Je t'ai sélectionné, au vu de l'encombrement dont tu disposes, ce modèle-là. Il est en inox, il a une contenance de 24 litres. Pour l'utiliser, tu auras besoin de ce kit surpresseur, qui est composé d'un pressostat, d'un manomètre et d'un raccord spécifique. Bon courage pour l'installation.
Donc voilà Cédric, j'ai suivi tes consignes, j'ai utilisé tout ce que tu m'as dit. Donc j'ai calé l'installation entre la paroi du camion et les réservoirs. Donc j'ai monté tout ça sur une planche en bois intermédiaire parce que j'avais pas accès au pied de fixation du qu'on voit juste là. Quatre pieds de fixation du réservoir, du surpresseur. Donc j'ai monté ça à l'extérieur du camion. Et j'ai ensuite rapporté tout ça dans le camion pour pouvoir le fixer et avoir accès aux vis de fixation plus facilement. J'ai utilisé des raccords en laiton pour sortir du réservoir. Je pars sur un flexible. Le flexible, j'arrive sur un petit préfiltre. Le préfiltre, j'ai ma vanne pour couper l'alimentation et isoler les réservoirs si j'ai besoin de démonter l'ensemble. Ensuite, j'ai la pompe que tu m'as conseillée. J'ai mis en place un piquage qui permet d'arriver sur le raccord spécifique du surpresseur que j'ai remplacé parce que celui d'origine était bien pourri et m'a pété dans les doigts, en fait il s'est fissuré. Donc j'ai refait un petit montage maison avec des raccords bien standards et ça m'a permis de faire quelque chose de bien étanche qui permet en fait d'alimenter le pressostat qui lui va permettre de déclencher ou pas la pompe. J'ai le petit manomètre qui tombe pas dans la bonne position, mais avec un petit miroir j'arrive à voir la pression du réseau. J'ai le réservoir inox du surpresseur qui fait 24 litres. Et à l'arrière du surpresseur, en fait, on a la petite valve ici qui se cache derrière le bouchon et qui permet de régler la pression à laquelle on veut déclencher ou pas le fonctionnement de la pompe. Voilà. Donc ça rentre nickel. Il n'y a plus qu'à mettre le couvercle du coffre et on peut marcher dessus. Voilà, tranquille. Nickel. Tu fais quoi? Bah, tu m'as dit que tu voulais des tuyaux écologiques, alors je te coupe des bambous. Ok, bon courage. Bah, je sais pas, j'ai pas d'autre solution. Bah, si, y en a. Peut-être pas écolo. Ouais, ouais. Bon, je continue, on sait jamais. On pourra servir. C'est jamais en canne à pêche, peut-être. Si je me suis pas estropié avant. Bon chouchou, l'écologie c'est bien, mais là je pense que pour les tuyaux ça va être un peu compliqué, le bambou. Donc pour tes solutions de tuyauterie, il existe trois matériaux. Donc le premier c'est le cuivre, le deuxième le PER, polyéthylène réticulé, et le troisième le multicouche. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Mais comme je sais que tu aimes réutiliser tout ce que tu as sous la main, je te propose de rester sur une installation en PER comme tu l'as fait pour la taille. Et pour la couleur, on ne te voudra pas si tu mets du rouge à la place du bleu. Allez, bonne installation. Donc voici le résultat pour les tuyaux. Bon, le bambou c'était un peu compliqué. Donc on a utilisé le polyéthylène. J'ai rajouté un petit compteur pour savoir ce qu'on consommait réellement et puis pouvoir faire des estimations sur notre autonomie. Donc voilà, le flexible, il monte pour avoir un piquage pour la machine à laver. Ensuite, il continue derrière, mais là, j'en montre pas plus. Ensuite, on arrive là, on sort du camion ici. On passe dessous. Hop là, et on arrive sur le point de pivot entre le camion et la Tiny. Donc, j'ai utilisé des raccords rapides. Celui-ci, je vais certainement remplacer par un autostop. Comme ça, quand je débrancherai la Tiny, si nécessaire, là, j'aurai pas mon réservoir du surpresseur qui va se vider. Parce que là, c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est pas super pratique. Et donc, tout ça, donc ensuite, on a le tuyau qui part dessous. Donc là, j'avais déjà prévu l'isolation et on rentre dans la Tiny. Donc, sur le reste, au niveau du camion, j'attends toujours les... Hop, on est là. J'attends toujours les manchons isolants. Parce que tout ça c'est à l'extérieur forcément, donc il va falloir que même si on n'est pas dans des climats très très rudes, mettre des manchons isolants par-dessus pour éviter que ça gèle. Boda, ok, on a deux dans la Tiny, mais nous, on n'a pas de fuite intégrée comme toi. Toi tu peux boire l'eau n'importe où, dans les flaques, les rivières, ça t'est égal. Mais nous, quelle solution s'offre à nous Bon chouchou, concernant ton système de filtration, moi je te propose de faire quelque chose de très simple. Sachant que vous allez vous approvisionner uniquement sur le réseau d'eau publique au niveau de l'ensemble des pays européens dans lesquels vous allez circuler, l'idée sera de retirer uniquement le goût
du chlore et éventuellement les quelques traces résiduelles de métaux lourds. Donc pour cela, je te propose d'utiliser tout simplement un filtre à charbon 2 en 1 qui aura l'avantage donc de filtrer à hauteur de 10 microns et de retirer ce goût que l'on trouve régulièrement dans l'eau. Ensuite, ton système étant évolutif, si cela ne convient pas, tu pourras toujours ajouter une filtration avec une lampe UV ou un ozoneur. Tu es presque arrivé au bout, c'est la dernière ligne droite. Voilà, on reprend dans la tiny, donc on arrive par le tuyau rouge, hein. Ouais, c'était la seule couleur que j'avais sous la main à l'époque. Et parce que normalement c'est les tuyaux pour l'eau chaude, mais donc on a l'alimentation en eau froide, une vanne pour couper et pouvoir isoler le filtre. Et celui-là, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on l'a installé, et on voit qu'il a vraiment joué son rôle, hein, puisqu'il commence à être un peu marron là. Ouais. Donc il est temps qu'on le change et que le confinement se termine, qu'on aille en acheter un nouveau. Parce qu'en fait, il y a eu des travaux sur le réseau d'eau en fait, et donc l'eau était marron. Voilà. Et voilà, donc il a filtré la terre. Mais franchement, nous on trouve que l'eau n'a plus de goût de chlore. Ouais. Alors je sais pas si ici elle est très chlorée ou pas, mais en Ariège, mais du moins en Haute-Garonne, nous c'était très, non, mais très on chloré. Enfin, c'est clair qu'on en est satisfait. On en est satisfait. Et après, c'est tout simple, hein, on dispatche sur le lavabo, on a le tuyau qui part sur une nourrice. De ce côté là, ça c'est l'eau chaude, mais bon c'est pareil, les couleurs conviennent pas, parce que au tout début on n'avait pas prévu ça comme ça. Ici il devait y avoir une petite machine à laver, enfin du coup il y a plein de choses qui ont évolué, donc on a jonglé et on s'est dit que la couleur des tuyaux c'était vraiment un détail. Du coup on part sur une nourrice, la nourrice dispatche l'eau au chauffe-eau et ensuite on part donc soit au lavabo, soit à la douche, on revient avec l'eau chaude à l'évier aussi là-bas. Donc c'est tout simple, hein, voilà, c'est une installation standard de plomberie. Bon, ça y est, tu les as retrouvées les factures? Ça va. Ouf, je pense qu'on va se faire peur. Quatre dernières années, on était à la maison. Ouais. Donc si on regarde 100, 120, bon, on va dire... On va retirer la piscine, parce que c'est vrai qu'on s'en servait un peu pour la piscine. Je pense qu'on était en moyenne à 18 mètres cubes par mois. Donc 18 mètres cubes, ça 18... fait 1800 litres. Non, 18 000. 18 000, oh putain. 18 000, donc divisé par 30, 600. 600 litres par jour. Donc c'est ça, on consommait 100 litres Chacun. 18 litres, ouais, 18 000, 30, ouais, 600 litres par jour à 6. Mais si on se base par rapport à ça, jamais tu mettras... Ouais, donc là, on a une autonomie d'un jour. Ah, d'accord. Donc en effet, chouchou, c'est bien ça. Vous étiez à une centaine de litres d'eau par jour et par personne à l'époque où vous étiez sédentaire. Ce qui n'est pas trop mal, puisque la moyenne européenne est située entre 100 et 200 litres. Donc vous étiez dans la moyenne basse. Mais par contre, c'est sûr que si vous restez sur ce niveau de consommation dans votre mode de vie nomade, l'autonomie va être très faible. L'idée, c'est de réduire au maximum. Donc d'après les relevés que tu m'as fournis, puisque tu as eu la bonne idée d'installer un compteur, il semblerait que vous soyez à hauteur de 30 litres d'eau par personne et par jour. Que vous consommez 150 litres à 5. Donc vous avez déjà divisé votre consommation par 3. Donc sur cette base-là, 150 litres pour 5, vous avez une réserve de 750 litres, puisque le fond des réservoirs n'est pas exploitable à cause des raccords. Donc 750 litres divisé par 150, ça vous donne 5 jours d'autonomie. C'est déjà une bonne chose pour ce genre de projet. Donc maintenant, je vous lance un défi. Je pense que vous pouvez tenir une semaine. À vous de jouer. Ok. Ça. Non mais t'es bien mignon avec tout ça, mais ça va nous coûter combien, sérieux? Alors pour le budget, c'est toujours le nerf de la guerre. Forcément, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. On ne pense pas comme ça que stocker de l'eau potable, la transporter et la filtrer représente une somme aussi importante. Donc on va essayer de faire simple. Un budget pour les réservoirs, c'est le plus gros. Il faut compter environ 1 euro le litre stocké. Donc sachant que vous avez 800 litres d'eau potable, 400 litres d'eau grise, 1200 litres, on tourne à peu près à 1200 euros. Tout simplement. Et après, il faut greffer tous les équipements, pompe, filtre, tout le reste, les raccords, les tuyauteries. Tout ça nous amène à hauteur d'environ 1500 euros. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Pour une semaine, il va falloir l'amortir. Vous n'avez pas le choix.
Chouchou et Sylvia, bah désolé, pour la logistique, je peux pas vous aider. Une heure, ça paraît être un temps incompressible. Donc rendez-vous pour de prochaines assistances. Ciao! Quoi? Ça c'est liker la vidéo! Ah oui, ça fait plaisir là. Voilà. Vous avez pris 4 jours. 4 jours pour la montée, la tournée. Monter, tourner, non mais on s'est beaucoup amusé, n'empêche. Ouais. Beaucoup moins ce mois au montage, mais non, c'était sympa. Bah, Cédric a vraiment mis sa patte, hein, comme on dit. Oui, non, c'est chouchou. Pardon. Cédric, chouchou. Il est intervenu pour nous aider, tout simplement. C'est vrai. Merci Cédric. Donc voilà, un petit pouce, ça nous fera toujours plaisir. Surtout les commentaires, parce que c'est madame qui répond et je pense que. C'est vraiment ce qui fait ressortir vos impressions, puisque les pouces vers le haut, vers le bas, bon, ça veut dire quelque chose. Mais non, moi, j'aimerais bien que ceux qui mettent vers le bas, n'empêche, voilà. Nous disent pourquoi. Hein. C'est surtout ça qui nous intéresse. Pourquoi on le met vers le bas. C'est ça. Après, vers le haut, on le prend. Mais encore, faut-il avoir des cojones. Message subliminal. Et non, mais les commentaires, franchement, pour l'instant, ça fait plus d'un an qu'on est sur YouTube. Il n'y en a vraiment que des bons retours. Il y a eu quelques petits commentaires, mais bon, ça, on va pas revenir là-dessus. Ça nous a quasiment même pas touché, même pas effleuré. Donc, on va continuer. On va essayer d'être de plus en plus créatif. Il y a encore pas mal de sujets à traiter sur les travaux du camion, parce qu'ils sont quasiment terminés. Il y a 2-3 trucs qui me bloquent là pour avancer. Donc, mais limite, on pourrait presque partir comme ça. On attend la fin du confinement. C'est ça, on attend la fin du confinement. Au total, j'ai calculé, on a... Oui, c'est dans 3 semaines. On a 11 vidéos, non plus que 10 maintenant. 10 vidéos à tourner. Et Lenalia nous a même suggéré une vidéo. Donc, j'étais pas trop chaude pour la faire. Oui. Et puis au final... Je ne vous le dis pas maintenant. Non, je vous le dis pas, mais voilà. Ça lui ferait plaisir de le faire, donc on va l'écouter. Donc on remercie les acteurs, Cédric, hein, merci pour ton aide. On te laisse la parole si tu veux. Avec plaisir. Et Oda et Jouk, qui ont réussi à participer tant bien que mal. Ouais, et moi puis... j'ai eu le droit à un lavage de visage, de visage. Ravi. Et les enfants, ben, eux, ils participent indirectement pour... par rapport aux chiffres qu'on vous a annoncés, c'est grâce à eux qu'on a ces chiffres, hein. C'est eux qui font attention à l'eau, nous aussi, mais on essaye de leur inculquer cette approche, parce que c'est quand même quelque chose d'important, l'eau potable, l'eau tout court, et on ne voulait pas faire un sujet trop sérieux, on voulait amener un peu une touche humoristique là-dessus. Mais avec des vrais chiffres, avec vraiment une... Quelques chiffres importants, quelques points techniques, voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est fait plaisir sur cette vidéo-là. Je t'ai coupé la parole. Non. Ah. C'est juste que je voulais dire un truc, mais en fait, je ne me rappelle plus. Bah, on le dira la semaine prochaine. C'est ça, je vous le dirai la semaine prochaine. La prochaine vidéo. Bon, ben voilà, j'espère que le confinement pour vous se passe bien. En tout cas, nous, on s'ennuie pas. Hein. Ouais, entre soleil, petits nuages, un peu de pluie. Bon, on jongle avec, mais ça va. Pour l'instant, on ne va pas se plaindre. C'est ça. Donc, on vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.